Alain Lise Wattier. Organisée par celle qu'on surnomme la Joconde québécoise, Madame Lise Wattier. Bonjour, Lise. C'est très gentil. D'ailleurs, si j'avais pas une couche de potée d'en face, vous me verriez rougir. Mais pourquoi la Joconde? Parce que vous avez le visage fait au pinceau. Merci, mais je travaille toujours au rouleau. Alors, Lise, vous voulez aider les gens dans le besoin. Oui, ben, m'a dire comme qu'on dit, hein, c'est toujours plus plaisant de donner que de recevoir. La preuve, c'est que c'est plus plaisant de donner une bouteille de parfum niaise de Lise Wattier que de la recevoir. Vous voulez recueillir des denrées pour les démunis. Oui, mais je n'aime pas beaucoup le mot démunis. Hein? C'est discriminatoire. Appelons-la plutôt les crottés. Et où les gens peuvent-ils venir leurs denrées, Élise? Eh bien, ils peuvent le faire au comptoir Les Oitiers, deuxième étage chez l'abbé. On a mis une boîte entre le rack à fond de teint et le pot à crayon pour les yeux. Ah oui, j'ai même vu des surprises pour les gens cet après-midi. Il y avait des clowns. Et... Non, ça, ce sont mes esthéticiennes. Tu m'as même laissé dire que vous, Lise Wattier, aviez amené des denrées. Oui, bien sûr. J'ai apporté une bouteille, plutôt une canne de bouillon à fondue chinoise. Oh, mais Lise, les pauvres... Tut, les crottés. Les pas propres n'ont pas d'argent pour de la viande à fondue chinoise. Ah ben, Christoune, toi, j'avais pas pensé à ça. Ben, coudonc, leur fondue, ça fait un tout du ballonné. Autre chose? Oui, j'ai aussi apporté une chose essentielle pour les femmes, et ce sont des ombres à paupières. C'est une balance de stock de 97. J'aurais dit que ça pognerait pas le mauve, calice. Oh, mais Lise, de l'ombre à paupières, c'est pas quelque chose de vital, ça, pour une femme? Ben, au contraire, car quoi de plus choquant que d'arriver dans un party de famille et qu'une de mes sœurs, une femme qui n'a pas eu la présence d'esprit de coucher avec les bonnes personnes, se retrouve sur le portrait et gâche la photo. Alors, on se revoit un petit peu plus tard pour un autre reportage sur la journée Lise Wattier. Je suis prête à mes ans du crotté.